بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أعزائي في قناتكم التعليمية متعة التعليم دي زاد. في فيديو اليوم سنحل مع بعض الفرض الأول للفصل الثاني للسنوات الأولى متوسط. إن شاء الله بعد العودة إلى مقاعد الدراسة راح تكون فترة الفروض والامتحانات، إن شاء الله نكونوا على أتم الاستعداد. على بركة الله نبدأ. لو سبور apporte de la joie et de la gaieté dans la vie, en particulier chez les enfants. Quels sont alors ses avantages? Ça, c'est l'introduction, la phase du questionnement, marhalat souel. Daimen rana fi le texte explicatif pour les premières années, sana oula rana naqraw le type de texte explicatif li ando trois parties. Quand il y a trois parties, la première hein, li hadi c'est la phase du questionnement, l'introduction qui contient la question, la deuxième partie c'est l'explication, et la troisième partie c'est la conclusion. Donc, à partir de l'introduction, le texte parle du sport. Donc, il a dit, le sport apporte de la joie et la gaieté dans la vie. Al-riyada تأتي بالفرح والسرور في حياتنا، en particulier chez les enfants، خصوصا عند الأطفال. Quels sont alors ses avantages؟ ما هي إذا فوائدها؟ On va voir les avantages, les bienfaits. فوائد الرياضة، en particulier خصوصا عند الأطفال. L'activité physique، النشاط الرياضي الجسدي، النشاط الجسدي. L'activité physique est nécessaire pour un enfant، ضرورية، nécessaire. L'activité physique ضروري للطفل pour un enfant parce qu'il a besoin de bouger. لأن الطفل في حاجة إلى الحركة. Il a besoin de bouger et de se défouler après les heures d'école. ولكي يرفه عن نفسه بعد ساعات طويلة في المدرسة. و il passe la moitié de son temps inactif. يعني في المدرسة إن يكون الطفل على مقعد دراسة غير ناشط، يعني يبقى جالس، هذا الشيء يشعر بالملل. Il s'ennuie. Donc après l'école, بعد الرياضة, il a besoin de bouger. يحتاج إلى الحركة. Il est toujours préférable de se dépenser quand on a du temps libre. إنه من الأفضل دائما أن نقوم بحركات رياضية، أن نتعب أنفسنا، أن نجتهد. Quand on a le temps libre, qui qu'on a وقت فارغ, le temps libre. Que de rester devant la télévision à grignoter à longueur de la journée. هذا الشيء أحسن من أنو نبقاو جالسين أمام la télévision و on grignote, يعني نأكلو نقوم بأكل يعني المأكولات طوال اليوم à longueur de journée. Le sport est également un excellent moyen de socialisation. الرياضة أيضا هي وسيلة رائعة للتواصل الاجتماعي، لأنه عن طريق الرياضة نقدر ننشئ صداقات جديدة. Alors c'est un excellent moyen de socialisation. Il est conseillé de faire au moins 30 minutes d'exercice physique par jour. إنه من المنصوح أن نمارس على الأقل 30 دقيقة من التمرين الجسدي يوميا. تل كو لا مارش مثل رياضة المشي، لا مارش رابيد المشي السريع، دي زيكزيرسيس اغريابل، و نيمبورت كيل اوتر تيب دو سبور، يعني تمارين سهلة وصحية أو أي نوع من الأنشطة الأخرى الرياضية الأخرى. دونك لا سورس دو تيكست، مصدر النص تاعنا سي لي زاكتيفيتي فيزيك، النشاطات الجسدية أو الرياضية. Compréhension de l'écrit donne un titre au texte. Donc, on a un choupoubli, le texte ne contient pas de titre. Ma fiche, un titre. Les ouel unwen. La première question, c'est bien donne un titre au texte. A terminé. Avouen, voilà. Donne un titre au texte. A terminé les nas. Donc, le titre qu'on va proposer. Unwen les naktarho. Regardez dans la question. Je vous fais elle. Quels sont alors ses avantages? Les avantages de quoi? Du sport. Nous allons parler du sport.
يشيرش لي زافونتاج دو سبور، يبحث على فوائد الرياضه. دونك اون فا بروندر سو تيتر، ندو هذا العنوان، اون فا ميتر لي زافونتاج دو سبور. فوالا لي زافونتاج دو سبور، لي بيانفي دو سبور، فوائد الرياضه. Ensuite, deuxième question. Réponds par vrai ou faux. On va mettre devant la phrase, vrai ou bien faux. La première phrase, il faut faire 40 minutes d'exercice physique par jour. Dans le texte, ils ont dit, il est conseillé de faire au moins 30 minutes. 30, pas 40. Donc la première phrase, on va mettre faux. Un enfant n'a pas besoin de bouger. Un enfant n'a pas besoin de bouger. La phrase négative. هنا راهي تنفي. طفل ليس بحاجة إلى الحركة. Dans le texte, il a dit l'activité physique, le sport, est nécessaire pour un enfant parce qu'il a besoin de bouger. لأنه بحاجة إلى الحركة. Donc même la deuxième phrase, on va mettre faux. Troisième question, souligne la bonne réponse. Dans le texte, on parle de la malnutrition. Il y a une tarde, il y a essayé, hein? Il y a la malnutrition, l'activité physique, un achat, regardez, le lavage des mains. Ou là, on a le lien. Donc, très bien. La bonne réponse est bien B. Il m'a demandé de souligner, donc je vais souligner. Ça me dirait, je fais 4. Pardon. Ensuite, dans le texte, on. Fannas. On. Yani, elle kete biakoum. Informe, raconte, explique. Yu'alim, yahki, ou yashah. Qui m'a chrachti le confil bidaya. Très bien. L'auteur explique. Rahi yashah. Donc, c'est. On est dans le texte explicatif. 4. Encadre le pronom relatif, souligne la proposition relative et entoure l'antécédent dans la phrase suivante. Tenez une phrase, c'est la phrase. Il m'a demandé d'encadrer le pronom relatif. Le pronom relatif, dans le cours, c'est bien qui. Après qui, on dit la proposition subordonnée relative, la PSR. Ou le nom, qui, c'est bien l'antécédent, ce minère l'antécédent. Donc, l'entraîneur félicite l'équipe qui a remporté le championnat. Où est le pronom relatif? C'est-à-dire la phrase, où est le pronom relatif? Ah, ou qui? Donc, encadre le pronom, qui est dans un cadre. Souligne la proposition. La proposition, l'étabdamin, qui, à tel le point. هذه جو في لا سوليني نسطر عليها نكتب بي اس ار بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف كي ا رومبورتي لو شامبيونا كي اس كي ا رومبورتي شكون اللي تحصل على لو شامبيونا سي ليكيب ليكيب هي لونتيسيدون لونتيسيدون اونتور ديرو في دائره او لونتيسيدون يجي قبل كي لونتيسيدون انتيسيدون. Très bien. Cinquième question. Conjugue les verbes mis entre parenthèses au présent de l'indicatif. Les footballeurs vouloir, veulent. Les footballeurs veulent absolument gagner le match et partir bien déterminés. Ils partir, ils partent, il avec S, la terminaison ENT, toujours ENT, bien déterminé. Très bien, on va voir la question suivante, numéro 6. Mets les signes de ponctuation adéquats dans le passage suivant. On est les signes de ponctuation, s'ils ne sont pas clairs, on a deux points. Tiré et virgule.
on va essayer de les mettre à leur place. نحطو كل واحدة في بلاصتها. Donc, le sport est un ensemble d'exercices physiques. Il se pratique. Il هنا راهي en majuscule. هنا راهي majuscule. Donc, قبلها لازم يكون عندي un point. Voilà. Il se pratique individuellement ou collectivement. Il existe. هنا ثاني عندي la majuscule. La phrase qui تبدأ بلا majuscule قبلها لازم يكون كاين un point. Il existe différentes disciplines sportives. Parmi elles, هنا ما كاينش majuscule كاين minuscule. Donc هنا on a besoin d'un point virgule. Facile. Parmi elles, après il va énumérer يذكرهم لي تحت بعضهم. Donc هنا نسحق ندير deux points. كي ندير l'énumération ندير قبلها deux points. Donc devant chaque élément قدام كل عنصر لازم تكون عندي un tiré ويخلص بان point tiré point tiré point tiré point. Donc parmi elles on a le football, le basketball, le tennis et le handball. À la fin, complète le texte par les mots suivants. Enfin, santé, puis sport, d'abord. Les connecteurs d'énumération, دوت ترتيب عندي d'abord, ensuite ou enfin, هكا يجو مرتبين. Donc d'abord هي الاولى. Ensuite هي الدوزيام. Enfin هي la dernière, هي تجي في الاخر. نبداو نرتبو, on va commencer. Pour être en bonne santé, en bonne santé. Pour être en bonne santé. On doit d'abord, la première des choses, on doit d'abord se laver correctement, manger convenablement, puis manger convenablement et enfin bouger régulièrement ou faire du sport. Voilà, comme ça on a fini le paragraphe. Bon courage à tout le monde, بالتوفيق للجميع. ما تنساوش في الاخير تخلوا لي لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. والى اللقاء.